Et donc bonjour à tous et à toutes, c'est Aku et on se retrouve pour une toute nouvelle série sur Pokémon Sage, un fan game Pokémon réalisé par des fans. Donc je vous mettrai le lien du jeu en description. Et donc c'est un jeu original où il y a c'est des nouveaux Pokémon qui ont été créés spécialement pour le jeu. En gros, ce ne sont pas des Pokémon de base quoi, c'est des Pokémon créés exprès pour ça. Et donc on va pouvoir découvrir de nouvelles choses, ça va être vraiment pas mal. Et cette série va remplacer donc Pokémon Éclat Pourpre qui a arrêté depuis un petit moment, je crois que vous avez remarqué, parce que malheureusement c'était un peu trop dur en Nuzlocke. L'XP était très lent, long, et puis voilà, j'ai pas forcément le temps d'XP pendant 3 heures mes Pokémon. Et donc là cette fois on sera pas en Nuzlocke, on sera en mode normal, relax. Comme ça je pourrais vous mettre des vidéos souvent et pas les espacer par des heures d'XP. Donc voilà, on va lancer le jeu. Alors les options. Fast. Oh, c'est pas mal, c'est bien. Ça change un peu d'habitude. Donc je vais prendre celle-là. Large. Oula, là je règle l'écran à tout de suite. Re tout le monde, voilà, j'ai agrandi un peu l'écran, comme ça ce sera plus pratique pour moi pour jouer. Voilà, écoutez, c'est bon, hein. C'est pas ça que je voulais faire exactement. Comment on fait? Ah oui, c'est bon. New game. Le jeu est en anglais, donc je vais essayer de traduire de mon mieux. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Avant de commencer, est-ce que tu veux que je t'aide? Bah non merci. Ce monde est rempli de merveilleuses créatures qu'on appelle les Pokémon. Des personnes aiment entraîner leurs Pokémon et combattre avec eux. D'autres préfèrent simplement vivre avec eux et voilà, être avec leur compagnie. J'étais dresseur dans je crois il y a marqué j'étais dresseur dans mon autrefois, mais j'ai ensuite refait des recherches de Pokémon au lieu de voilà quoi. C'est pourquoi je suis venu à Urobos pour étudier l'histoire des Pokémon et leur fascinante histoire et la fascinante histoire qui est derrière eux. Ma passion pour les Pokémon la passion pour les la recherche des Pokémon et a fait qu'on m'appelle maintenant le professeur Pokémon. Maintenant, c'est le moment pour toi de commencer ton aventure. Mais d'abord, j'ai quelques questions pour toi. Oh mon cher, ces lunettes. Voilà quoi. Tu vois, boy or girl, je suis un boy. Ah, bien sûr. Et ton nom est. Tu peux m'aider le vieil homme que je suis. Bon. Alors je vais m'appeler Akuryu. Ou Aku, je sais pas. Allez, je vais m'appeler Vaporaku. Remarque. Akuryu. Akuryu Mira Merveille. Donc tu t'appelles Akuryu, oui. Tu es préparé Akuryu? C'est la première page de ton aventure. Tu vas rencontrer des amis et des trucs là, comme ils disent au début de chaque jeu, vous savez. Allez à Akuryu, maintenant le monde des Pokémon t'attend. Bon bah super. Je vous dis direct que j'ai déjà vu je me suis spoilé jusqu'à la route au début de la route 1. Donc vous étonnez pas si je connais si je suis pas surpris par certaines choses. Je connais juste les starters, hein, je vous préviens. Alors voilà, on va prendre la potion. Comme d'habitude dans tous les jeux. Courir c'est bien Z. Vous êtes sur le clavier. Hein. Donc on va aller voir ce professeur Mangrove. C'est pas là, c'est pas là. Cette maison elle a rien d'habituel. C'est la maison de Sophia. On s'en fout de la maison de Sophia. Je pense qu'on va devoir y aller après. C'est une arène tout trouve. Ça c'est le laboratoire du professeur Mangrove. Ah Akuryu, tu es finalement venu. Akuryu, le professeur, va nous donner un vrai Pokémon aujourd'hui. Et c'était une surprise. Bon, Sophia a raison. Je vais vous te donner un Pokémon. Aujourd'hui. Sur cette table, il y a trois Pokémon extrêmement rares. Il faut en choisir un.
que tu préfères. Haku Ryu, tu choisis en premier. Alors, on a Noiseau, Foliat. Bof. Non, non. Non. Kidling, le Tinder. Tinder Pokémon, ok, si tu veux. Non. Je vais peut-être le prendre après, c'est juste que je regarde tous les Pokémon. Aquad. Houtling, je sais pas qu'est-ce que c'est comme animal exactement. Bon, entre les trois, franchement, je préfère Tinder. Hein, Tinder. Donc je vais l'appeler Tinder. Je suis obligé. Oui, je vais lui donner un nickname. Allez, Tinder. Tinder, c'est notre premier Pokémon. Je suis désolé, mais il avait marqué Tinder, je crois, ça veut dire petite chèvre ou un truc comme ça, mais bon. Moi, j'ai direct pensé à l'application. Comme un con. En même temps, s'il y a un Pokémon qui s'appelle, s'il y a quelque chose où il y a marqué The Mythic Pokémon. Tinder, voilà. De toute façon, Tinder, ça veut dire petite chèvre. Hein. Tu as pris Tinder. Ah, bah, alors, je vais choisir Aquad. Ouais, bah, bien sûr. Hein. Vas-y, choisis celui qui va me faire chier. C'est bon, maintenant, on peut faire un combat. Alors, toi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux mettre encore un truc? Ah, d'accord, le monde de Pokémon est super, ok. Hey, wait a second. Oh là là, on s'y attendait pas du tout. On va se battre contre Sophia. Bon bah c'est l'heure de spammer. Je vais bourriner comme un fou, je vais pas faire de grande stratégie vu que c'est le premier combat. Tacle. Ouais ouais mon cul. Je vais te niquer, je vais te niquer. Oula, il a beaucoup de défense. Oula, il commence pas à faire ça là parce que ça commence à me faire peur. J'espère que je vais pas perdre le premier combat. De toute façon, vu qu'on est pas en Nuzlocke, c'est pas grave à la limite, mais bon. No. Yes. Ouh, si je rate pas mon attaque, c'est bon. Mais bon, rater c'est... What? Pourquoi il attaque en premier? Ouf. J'ai cru qu'il allait me tuer. Bon bah ça va, j'ai gagné le premier combat. Tinder a gagné 43 points d'expérience. C'est trop dur. Je vais prendre le... Oh, j'ai oublié de lire avant, désolé. J'ai décidé que j'allais battre les champions d'arène. Premier arrêt, Quarver Stop. Je vais t'attendre là-bas, Kuryu. Ok. Oh, j'ai oublié. Tu peux rester un moment. J'ai quelque chose pour vous aider dans votre aventure. Mais j'ai oublié ça avec l'assistance Ikoria. Est-ce que tu peux aller la rencontrer, je crois aussi. C'est aller à Tremoltown, juste take. Aller à Tremoltown, il faut prendre la route 1 et c'est pas assez facile à y aller. C'est le best quoi. C'est plus rapide par la route 1. C'est le chemin le plus rapide. Et une dernière chose, si vous. Tu n'as pas besoin de laisser ton Pokémon dans une boule tout le temps. Tu peux le laisser dehors, comme ça. Ah oh, pas mal. Un petit Tinder qui me suit. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit aller sur la route 1. Et je connais ce regard. Tu es un nouveau dresseur? Non. Je me souviens, j'étais un oubli, comme toi. Mes Pokémon étaient tout le temps KO. Et je recherchais un centre Pokémon. Mais un jeune vétéran m'a aidé. Ok, d'accord, j'ai pas compris, c'est pas grave. Je vais pas lire tous les dialogues inutiles comme ça. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Bon, pour le moment, j'ai pas de Pokéball, donc je vais me contenter de taper. Harpy. Pokémon, un oiseau avec des lunettes, tiens. Original. Ouf, Twister. Et voilà, on est niveau 6. Il a des belles petites cornes dorées. Tiens, une chèvre. Bon, on est déjà servi en boucle dans l'équipe. Donc non merci. Par contre, je prendrais bien l'oiseau avec des lunettes.
Tinder a été identifié. Super. Vas-y, t'es KO. Droit. Toi, tu veux faire un combat, non? Par contre, si je tombe sur des Pokémon niveau 7, ça va pas me plaire. Non, mais ça va. Capig. What the fuck, c'est quoi ce truc? Capig. Oh, s'il te plaît, commence pas à faire des. à me faire des trucs, des coups comme ça, ça va pas me plaire. Putain, ça commence. Mais non, mais c'est pas possible. C'est une grosse tapette, ce Pokémon ou quoi? Après, il va me faire tacle. Richeur. Je vais devoir utiliser des potions. Oh, Pussy Miss. Oh là. Oula, coup critique. Bon, je pense que je peux le finir. Oh, putain. Non. J'ai pas envie de mourir dès mon premier combat quand même. Allez, il te met rien là. Oui, c'est ça. Ça, c'est Tinder. Tinder. Niveau 7. Ouf, pas mal. Ok, à l'Ember. What? C'était pas ça que je voulais faire. Moi aussi, on voit pas quelle attaque est choisie, c'est n'importe quoi. Ah, bah vraiment, c'est vraiment plus rentable. Bon, identifié, je m'en bats. Voilà. Là, c'était chaud hein, pour mon premier combat. Bon, je gagne. L'XP va plutôt vite pour le moment. Hein. Vous me direz, c'est le début du jeu, mais bon. Content quand même. Écoutez. Oui, je suis arrivé à Tremble Town. C'est qui ça? Ah, c'est Koya. Ben voilà, c'est elle. Hey, Hakuri, you are going to Tremble Town? Oh, shoot. You're right, the professor. Mais pourquoi je lis en anglais? Je suis vraiment. Oh, le professeur a besoin de. Besoin de ça aujourd'hui. J'ai complètement oublié. Retrouve-moi au laboratoire, Hakuri. Ok, en gros, je dois retourner au laboratoire. Il y a pas de centre Pokémon par ici. Marthe. C'est pas ça le centre Pokémon. Voilà. Poc. Centre Pokémon de base, hein. À part que l'infirmière Joël a fait un petit bronzage. J'aime bien comment il court. Oh, mais tiens, lui, je l'avais pas affronté. What? C'était quoi cette transition chelou? Par contre, commence pas à mettre des types proches. Oh non, s'il te plaît. Bon, lui, je sens qu'il est proche. De toute façon, je pourrais. On va voir si Ember c'est efficace ou pas. Oh, mais ça fait rien, comme mon avis, il doit être type proche. Ah, il fait mal. Ah, ça va pas le faire, ça va pas le faire, ça va pas le faire. On est niveau 8. Non, oh, beaucoup d'XP, hein. Zbub, zbub. Je le veux celui-là. Je le veux. Non, regardez-le sa tête quoi. Je vais obligatoirement faire un montage avec ça quoi. Il est niveau 9. Bon, c'est pas mal hein. Alors, on va faire un petit Ember. Ember. Allez, one shot. Bra. Toi, je t'aime pas. Alors, on va voir s'il est type eau ou pas. Ah, bah non, il est type glace, tiens. Enfin, type neige. Ou je... non, type... Ah, c'est type glace. Je sais pas pourquoi j'ai sorti type neige. Ok, elle en a 3. Wow, le chat. Moi, je le prendrai pas dans ma team, même si ça va, il est pas dégueu. Le chat. On dirait qu'il a un petit air de raté octalité. Oh, j'ai cru qu'elle en avait encore un autre. Youh. What? C'est quoi ce truc? Ça me rappelle dans Pokémon Diamant ou Pokémon Perle. L'arène de Tibulas. Nice, un gel. Ça fait bizarre de commencer dans la neige alors que c'est le début de l'aventure. What? C'est quoi? Pourquoi passer par là? Waterfall Cave. D'accord, on tombe sur une cave directe. Ça, c'est pas cool. J'aime pas trop les caves. Je pense comme la plupart de... Oui! Je le veux!
Je le veux. Je le veux. Même s'il est pas très fort. Allez, je m'en fous, je rentre au centre Pokémon et je le heal après. Yes. Pingleaf. Qu'est-ce que je lui donnais comme prénom? One hour later. Voilà, cornet de glace. Maintenant, on s'en... J'avais pas récupéré ça. Voilà, une escape rope, ça me fait deux. J'en ai trouvé une devant la ville tout à l'heure. Encore un autre. Cette fois-ci, c'est un mâle. Et d'où il y a des trucs sur les ponts, s'il te plaît. Mais arrêtez! J'en ai marre, là, c'est bon! Maintenant que j'en ai capturé un, ça y est, il va me dire c'est un Pokémon de merde, tu aurais pas dû le capturer. Non, mais oh, ils me prennent pour qui? Pour le dernier des nouveaux venus? Ok, ça voulait rien dire, mais je te crois. C'est qui, ça? Super, une Pokéball. Je vais pas vous lire tous les dialogues comme ça parce que sinon on va jamais en finir. C'est quoi ce toit? Ah oui, c'est vrai, c'est là. C'est la ville de base. Donc ça va. Non, ça va pas être bientôt la fin de l'épisode, remarque, hein, je peux faire. A chaque fois je fais 30 minutes de rec, mais j'enlève les moments inutiles, comme ça je vous fais pas trop chier, voilà, je vais faire ça. Donc on va retourner au labo. Ah, Kuryu, merci de m'avoir ramené mon assistante. J'ai une autre faveur à te demander. Nous vivons avec les Pokémon. Ok, le Pokédex, d'accord. En gros, il y a beaucoup de types de Pokémon que nous ne connaissons pas. Nous avons un record data. Il enregistre tous les Pokémon que tu captures et ainsi me permet de compléter mes recherches. Voilà, Pokédex, merci. Urobos est plein de secrets et de choses merveilleuses. Mais avec un dur travail et un bon cœur, tu peux aller jusqu'au conseil 4, ok. Professeur, mon Pokémon a été volé. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais sur la route 1 et... Oui. Un jeune cowboy. Ah, putain. Un mystérieux caractère avec un poncho et un chapeau de cow-boy. Ah non, et a volé ton Pokémon. Akuryu, tu peux voir qui c'est? Je n'ai jamais entendu parler de ce mec qui vole des Pokémon. Les enfants n'ont pas de respect pour rien. Et professeur, pourquoi ne pas donner à Sophia le dernier Pokémon qui est sur la table? Ah mais voilà, elle s'est fait niquer du coup. Avant qu'elle retrouve l'autre, mais bon. Fais attention à Kuryu, il peut être très dangereux. Il peut voler ton Pokémon et voilà, c'est un risque. Ok, je vais aller soigner. Je vais juste aller... je crois que ça va être la fin de cet épisode déjà. Parce que... Je sais pas, là, je vais devoir XP un peu mon pingouin, sinon il va se faire niquer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et la prochaine fois, on se retrouve pour la traque au cowboy. Ciao tout le monde.